Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais tester le nouveau mode de jeu enragé de Call of Duty, Cold War Zombie. Parce que depuis la mise à jour 1.10, donc qui est apparu hier je pense, et bien à partir d'aujourd'hui 19h, le mode enragé est disponible, donc on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, renseignement, devenez enragé, éliminez un zombie pour lancer votre minuteur d'enragé. Et continuez de tuer pour éviter qu'il ne s'écoule. Si vous ne faites aucune élimination avant la fin du temps, boum, vous mourrez la durée... Attends, si vous mourrez, ouais, la durée du minuteur diminue à mesure que les manches progressent. Ouais, ok, ok. On va tester ça de toute façon. Donc c'est parti, let's go. Attends. Devenez enragé, éliminez un zombie pour devenir enragé. Minuteur enragé, le minuteur n'arrête... Jamais, ouais, j'ai pas eu le temps de dire tout. Oh! Ah ouais, mais je joue en zombie là. Enfin, en multi. Attends. Moi, je veux pas aller en multi là. Ah, j'ai mis pause. C'est moi l'autre. Ouais, je suis en train de les faire chier, je crois. Attendez, parce que déjà, le graphisme. J'aime pas cette vue là. Ok. Sensibilité. 14. Ok. Ah si, en fait j'avais mis pause, mais ça comptait, ça avait figé mon écran, mais la partie commençait quand même. Voilà, hein, pour l'instant, j'ai bien compris, il faut juste que je tue les zombies enragés, enfin des zombies, pour garder mon compteur d'enragé juste à gauche. Ça avait pas l'air foufou, hein. Ah, par contre, tes zombies sont enragés quand même. Hein. On court assez vite. Bon, après, c'est la manche 5. À mon avis, ils seront encore plus badass. Plus fort plus tard. Minute d'enragé. Je sais pas quoi. Alors, il y a la boîte, à mon avis. Est-ce que... Eh, tu crois qu'on peut faire le secret? Attends, on va essayer. Hein. Et si on peut faire le secret, ce serait cool quand même. Oh, il a la hache. La masse. Ouais, dans la mise à jour, il y a de. Il y a eu des nouveaux trucs, mais. Genre. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, dans la mise à jour 1.10, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je dis ça. Oh! Oh! Je vais mourir! Ah ouais, merde! Et là, je crois que je dois attendre une. Là, je dois attendre qu'il passe la manche. Pour pouvoir réapparaître, je crois. Alors, dans la nouvelle mise à jour, il y a eu. Une nouvelle arme de mêlée, l'épée Wakazashi. Il y a eu une nouvelle map multijoueur, qui est le Sanatorium. Il y a eu un nouveau mode multijoueur, qui est le Dropkick 6 contre 6. Il y a eu quoi encore? Il y a eu le nouveau mode zombie, bah, enragé, que je suis en train de découvrir avec vous. Et il y a eu un ajout de la map raid en mode carnage. Oui, donc en mode carnage, en zombie, il y a la map raid qui est disponible. Attends, mais je comprends pas en fait. Comment on fait pour savoir c'est qui le meilleur du jeu là? C'est quoi l'objectif? C'est de faire le plus de score en fait, c'est ça? C'est simplement ça. En fait, c'est un mode normal quoi. Sauf que. Il est enragé quoi. Si j'ai bien compris le bail. Minute d'enragé, voilà. Est-ce qu'on peut faire les défis? Ah, on ne peut pas faire les dés. Ah, mais non, c'est normal, j'ai pas allumé l'électricité. On va allumer l'électricité, on va voir si on peut faire le secret. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau dans la mise à jour? Il y a aussi une playlist Sanatorium 24 sur 24. Ok, ah merde, à chaque fois que je dis. Ok, il faut que je fasse plus attention. Donc, il y a une playlist Sanatorium 24 sur 24 en multijoueur. Un accès gratuit au mode zombie du 14 au 21 janvier.
Ah, c'est du 14 au 21. Ah, ben non, c'est gratuit dès aujourd'hui, en fait. Dès aujourd'hui, le jeu est gratuit jusqu'au 21 janvier, 19h. Donc, vous avez exactement 7 jours pour jouer. Gratuitement, pour ceux qui n'ont pas le jeu, quoi. Et il y a un double XP d'armes à partir du 15 jusqu'au 19 janvier, 19h. Ok, c'est intéressant. Ouais, je me suis fait tuer parce que je regarde encore pas l'écran. C'est quoi, il a un magnum. On peut pas voir le type. Ah ouais, c'est lui que j'aimerais bien voir. Ouais, donc ça masse. Elle fait des dégâts quand même. Les one shot, j'ai l'impression. Mais bon, après on a la moins 10, donc c'est normal. Hein. Est-ce qu'il peut en one shotter deux d'un coup? Non. Franchement, elle a l'air pas mal cette masse. Hein. Attends, je one shot encore les zombies là, manche 11. Avec mon couteau. Donc, c'est bizarre ça. On dirait qu'ils ont moins de vie qu'en mode normal. Attends, ils ont allumé l'électricité là, ouais. Ouais, ils ont allumé l'électricité par contre. Quoique. Ah merde, je vais encore mourir. Oh putain, je vais encore mourir. Ah, j'ai vraiment trop de mal. Vite. Viens là. Putain, j'ai eu chaud. En fait, c'est quand même compliqué, ouais. Hein. Ah, c'est compliqué quand tu te concentres sur un autre truc. Hein. Si tu te concentres sur, que sur ton chrono, normalement ça passe, tu vois. Attends, est-ce qu'on peut prendre ça là? Donc ouais, l'arsenal, on peut le prendre. Quoi? Ok. Il n'y a pas le pack à punch? Ah si, il y a le pack à punch. Direct débloqué. Ok, pas besoin d'aller dans les terres noires. Ouais. Vas-y, il me faut un zombie là. Vas-y, il me faut un zombie là. 4 secondes. Oh, viens ici toi. Oh, viens ici. Non, non. Putain. Je suis dégoûté. Ouais, je suis un peu nul, hein. Encore heureux que j'ai mis en public sans faire exprès, en fait. Ah, minute d'enragé réduit. Ah ouais, d'accord. À chaque fois qu'on monte de manche, le temps d'enragement se réduit. Mais là, si je tue pas de zombies... Genre, si je tue pas de zombies, j'ai pas de truc d'enragement. Mais ça, j'ai cheaté, en fait. Point bonus. Oh! Ah, j'ai vu un mégaton, j'ai l'impression. Ah, il y a un mégaton. Hein. Attends, j'ai 11 000 points. On va améliorer mon arme, hein, déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, en fait, il n'y a pas des terres noires, il y a les atouts. Ah! Ah! J'ai un minuteur qui s'est affiché maintenant. Attends, ils auraient pu me prévenir, wesh. Comment ça se fait que j'ai eu un minuteur? J'ai tué aucun zombie. Toi, viens ici, toi. C'est bon, il va mourir. Voilà, c'est bon, il est mort. Ok. Bon, en réalité, on n'a jamais de réplique. Quoi. Oh, c'est quoi ça? Temps gelé. Ah, il y a un nouveau bonus temps gelé. Ok. Ok, intéressant. Elle est... Eh, mais il est gelé pendant combien de temps? Oh, merde. Oh, putain, je me suis fait tuer. Mais le temps enragé, il est pas commun. Ah non, il est pas commun. Ah si, il est commun. Attends, que je me fais toucher, peut-être? Ah non. Bah, il est remonté une fois. Là, il remonte plus. Ah, quand tu fais une assistance. Ouais, genre, ok. Donc, si je tire sur un zombie et que lui, il le tue. Vas-y, tue le zombie. Pourquoi il ne le tue pas, wesh? Ah, par contre, j'ai pas récupéré mon arme améliorée. Ah, ouais, j'ai perdu mon arme améliorée, sérieux. En vrai, j'ai 12 000 points, mais... Ok. En fait, en vrai, faudrait l'arme spéciale, quoi.
Ok. En fait, faut faire un maximum de boîtes, wesh. Et, bah oui, aussi, il faudrait que j'achète mon masto, wesh. Depuis tout à l'heure, je joue sans masto. Non, mais oh. Allez, viens ici, mon petit zombie. Suis-moi, mon petit. Bon, après, le mode de jeu, ouais, c'est bien. C'est réactif, on va dire. Hein. Mais après, est-ce que ça va te donner envie de jouer? On peut pas. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse faire le secret en même temps. Mais là, on veut pas. Donc, qu'est-ce que ça va te donner envie de faire blindé de partie? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense pas du tout. C'est un peu comme le mode ruée, hein. Tu le fais quelques fois, tu gagnes quelques médailles. Puis après, ben. C'est bon, quoi. T'as plus envie d'y jouer, quoi. Un peu comme le mode Noël aussi qu'ils avaient mis. Ah, discothèque chez moi. Ah, mais en fait, on peut même pas avoir l'arme spéciale. Bon, alors, on peut peut-être l'avoir. Mais on pourra pas l'améliorer. Donc la seule façon de l'avoir, c'est dans la caisse à 10. Dans la boîte mystère plutôt, je veux dire. Et quand on l'aura, ben, on pourra pas améliorer le truc. Parce qu'ici on peut pas appuyer sur carré. Et je suppose ben, que les étapes du secret sont bloquées. Et les petits easter eggs aussi. Donc mange 15. Quoi, mange 15, c'est 15 secondes. Enfin 15 secondes. Ouais, 15 secondes. Si je tue pas un zombie en 15 secondes, je meurs. Oh, oh, il me l'a volé lui ou quoi? Mais je pense que si vous faites une assistance, par exemple si quelqu'un vous vole le zombie, vous récupérez du temps. Bon, en soi c'est facile, hein. Je pense qu'en soi, pour l'instant c'est facile. Quand t'as compris le truc, il y a moyen que tu fasses peut-être pas sans manche, mais je vais le faire après, mon cœur, t'inquiète. Allume la télé si tu veux. Bah, pour avoir de la lumière. Oh, mais je t'entends pas avec mon casque. T'inquiète. Ok. Ah bah voilà, t'as géré. T'as vu ça, bim bam boum. Bim bam boum. Après, je sais pas pourquoi, mais ces zombies, on est mange 15, ils sont tout lents là, wesh. Pourquoi ils marchent? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Je sais pas, ils devraient marcher. Enfin, ils devraient courir quoi, au moins, un minimum. En plus. Ah ouais, ok, j'ai rien dit. Oh! Oh! Oh non! Non, j'ai déconné, je me suis en. J'aurais dû utiliser ma flash. Je me suis encerclé, je me suis tué tout seul, comme un con. Ok, il reste plus que lui. En fait, j'ai voulu descendre pour améliorer mon arme. Mais après, j'ai remarqué que j'avais pas assez de points pour l'améliorer. Et je sais pas, je voulais faire assez de points en bas et j'ai déconné quoi. Oula. Oh putain, on a de la chatte. Attends, vas-y, j'ai récupéré 15 000. Il faut vite que j'aille améliorer. Un petit foyer au passage. Je pense que pour l'instant, j'ai pas de compteur. Mais à un moment donné, ils vont mettre un compteur automatiquement. Alors, je sais pas pourquoi ni comment. Mais... Ok, j'ai amélioré. Je suis tranquille. Il faut combien? 15 000. 15 000.
15 000. Ah, j'ai perdu tous mes matériaux. Donc là, j'ai. Le truc s'est lancé, on sait pas pourquoi. Ouais, donc je vais monter en haut. Hein. Regardez-moi ça, les zombies ils marchent, ouais, je comprends pas moi ça. C'est un mode A enragé et des zombies ils marchent. Elle est où la compréhension là-dedans? Après, on dirait que les miens ils marchent pas. Ils courent. Mais quand je. Bah non, bah si, celui-là il marche maintenant. Pas assez chelou. Putain. Je viens de mourir contre le gros. Par contre, regardez. Je pense qu'on peut améliorer la DCD. Enfin, je pense qu'on peut débloquer la DCD. C'est le seul truc qu'on peut faire, mais. On va aller tester ça. Oh là là, il casse les couilles. Hein. Enfin, déjà, je vais acheter ça. Plus efficace. Un fusil à pompe, comme au bon vieux temps. Ok, on peut faire l'arme spéciale, les mecs. On peut faire l'arme spéciale. Oh, je vais mourir, je vais mourir. Ah merde. Ah voilà, fin de partie. J'ai fait de la grosse merde. Mais on peut faire l'arme spéciale. Je pense que c'est le seul truc qu'on peut faire. Après, est-ce qu'on peut l'améliorer? Je sais pas parce que j'ai pas pu interagir avec. Avec les boîtes, mais c'est possible, faudrait tester. Sur les cas, le mode de jeu en soi, il est plutôt bien, mais voilà, hein, c'est vite fait, hein, c'est un petit mode de jeu pour nous faire patienter à la nouvelle map qui va sortir fin février. Après, ça casse pas la baraque, quoi. C'est sympathique à faire une fois ou deux, mais je pense pas que ça casse la baraque, hein. Je pense pas que les gens ils vont tryhard, de ouf. En plus, le mode enragé... On peut le faire en solo, en privé. Et ben, faut voir s'il y a un classement. Faut voir s'il y a un classement. Zombie. Non, il n'y a pas l'air. Ah, non, carnage. Ouais, non, il n'y a pas de classement. Donc voilà, c'est vraiment un petit mode pour faire patienter les gens que la nouvelle map zombie arrive. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller tester. Elle est disponible. Aujourd'hui jusqu'au je ne sais pas quand, peut-être qu'il va rester. Je sais pas si c'est un mode temporaire. Je sais que le mode hivernal, zombie infernal hivernal, enfin de Noël là, il était temporaire, mais là ici, celui-là, j'ai pas d'informations disant qu'il est temporaire, donc c'est peut-être disponible jusqu'à la fin du jeu. On verra bien. En plus ça pourrait être pas mal, hein, enragé sur toutes les maps, sur toutes les prochaines maps, ouais ça peut être pas mal. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.